D'Iris, pourquoi les films en 60p ressemblent à des jeux vidéo? Avatar, tourné en 48 images par seconde, fait dire aux réactionnaires, aux cinéphiles, que c'est moche. Ils auraient jamais vu la différence. En prenant l'exemple du Hobbit qui était saccadé. Mais comment un film avec plus d'images par seconde peut être plus saccadé? Ça me paraît logique! La raison est le rolling shutter de deux façons différentes. Soit en projetant le film en 24p, donc juste un tiers des images, soit en filmant directement avec un angle trop fermé. Vraiment, bravo, ça valait le coup d'y aller. Au cinéma, le shutter est généralement à un 48e de seconde en 24p et un 120e en 60. Si le 60p est diffusé en 24, il aurait autant de flou qu'un 24 filmé à un 120e. Faites-moi confiance pour les chiffres choisis. Et si, comme dans le cas du Hobbit, le réal croit un peu trop que le 60p est fluide, il peut décider d'éliminer le motion blur en fermant le shutter à moins d'un 240e. Avec une inconscience presque fascinante. Comme l'œil humain peut voir 120 images sans problème, le 60p est saccadé sans le flou. Et n'oublie pas, en 60p, 180 degrés ou un 120e de seconde.